Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, dans le cadre du cycle des conférences mensuelles, enfin, les conférences du jeudi organisées par l'association Archéolona, les archives départementales de Haute-Marne et le musée de Saint-Dizier, je vais vous faire une présentation aujourd'hui d'un dépôt d'objets métalliques romains trouvé début 2017 à Roche-Bettencourt en Haute-Marne. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Michel Caspric, je suis archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Je suis aussi membre de l'association Archéolona. Et donc, je suis spécialiste de la période romaine et plus spécialement de la fin de la période romaine et de la période, entre guillemets, de transformation du monde romain pour devenir le monde médiéval. Donc, cet ensemble d'objets métalliques que je vous ai présentés a été déposé par la commune de Roche-Bettencourt au musée de Saint-Dizier, et notamment grâce à l'entregent et à l'entremise, si on peut dire, de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est et du service régional de l'archéologie. Donc cet ensemble doit être exposé prochainement à Roche-Bettencourt, puis au musée de Saint-Dizier. Évidemment, les circonstances sanitaires actuelles ont un peu compliqué la mise en place de cette exposition, mais je suis certain que si vous êtes intéressé, vous aurez l'information en temps utile et le moment venu. Donc, comme je vous le disais, l'ensemble d'objets métalliques, le dépôt d'objets que je vais vous présenter, a été trouvé donc début 2017 dans la commune de Roche-Bettencourt, donc on se situe à proximité de Joinville, dans la moitié nord du département de la Haute-Marne. Elle a été trouvée en forêt par un pilleur qui était équipé d'un détecteur de métaux, mais qui a été appréhendé en flagrance par l'Office national des forêts. Donc il s'agit d'un secteur actuellement très boisé. Vous avez sur cette image une localisation de la commune de Roche-Bettencourt. Globalement, on connaît essentiellement quelques indices d'établissements agricoles qui sont matérialisés par ces octogones noirs ici, qui correspondent probablement à des établissements agricoles antiques. Alors, une zone peu connue, mais on a quand même une idée de la nature de l'occupation de ces secteurs de plateaux calcaires de l'est de la France pour l'époque romaine. Donc ici, vous avez une carte géologique de l'est du bassin parisien. Donc Paris se trouve ici. Roche-Bettencourt se trouve là. Là, vous avez la vallée de la Marne ici. Et donc ici, en bleu, ces plateaux calcaires de l'est de la France qui vont du Morvan en Bourgogne et qui remonte au nord jusque vers le Luxembourg et l'Allemagne. Donc, trois zones assez proches en fait de Roche-Bettencourt ont fait l'étude d'objets d'études assez détaillés, notamment à travers des télédétections LIDAR, donc c'est de la télédétection aéroportée qui permet de mettre en évidence des aménagements anciens conservés dans les forêts. Et donc ces lidars faits dans les environs de Roche-Bettencourt, dans un rayon, on va dire, de 100 km, montrent que les massifs forestiers de ces zones de plateaux calcaires sont très densément occupés à l'époque romaine. Et ces détections lidar mettent en évidence, notamment, vous voyez, dans les forêts, des délimitations de parcelles agricoles, ici de plan rectangulaire. On voit ici un probable établissement agricole antique. Donc ici, on est dans la forêt de haies à côté de Nancy, mais
C'est aussi le cas dans les forêts de la région de Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, donc au sud-ouest de la Haute-Marne. Vous voyez tous ces traits noirs qui correspondent à des délimitations de parcelles agricoles antiques. Les points rouges correspondent à des petites fermes. Et enfin, encore plus près, dans le secteur de Gourzon, donc à proximité de Saint-Dizier, une acquisition LIDAR financée par la communauté d'agglomération de Saint-Dizier dans le cadre d'un projet de recherche qui est en cours, a elle aussi mis en évidence que les massifs forestiers de cette zone étaient très densément occupés à l'époque romaine. Donc vous voyez sur cette image en orange des limites de parcelles. Donc la grille ici correspond à des carrés d'un kilomètre de côté. Donc des limites de parcelles en orange, des chemins en rouge et en rose, des établissements agricoles. C'est des choses que j'avais déjà présentées à Saint-Dizier, notamment lors des journées nationales de l'archéologie. Donc vous voyez, même si à Roche-Bettencourt, a priori, on est dans un contexte peu connu et qui donne l'impression d'être faiblement occupé dans l'Antiquité, il s'agit manifestement d'un effet de la documentation. Toutes ces zones de recherche à proximité montrent au contraire qu'il s'agit de zones sans doute plus densément occupées dans l'Antiquité qu'à l'époque contemporaine. Donc maintenant, on va venir au cœur du sujet qui nous concerne ce soir, donc là, la présentation de cet ensemble d'objets. Donc, en préambule, il faut dire que le mode de découverte du dépôt de Roche-Bettencourt, c'est-à-dire par un pilleur, par un clandestin qui utilisait un détecteur de métaux, nous prive d'emblée d'informations assez importantes, notamment sur la manière dont ces objets étaient enfouis. Est-ce qu'ils étaient organisés dans une fosse, dans un coffre, etc. Et quel était enfin l'environnement archéologique exact de cette découverte. Bon, malgré tout, l'étude de cet ensemble, donc, qui m'a été confié, donc, et notamment qui a été réalisé dans le cadre de l'INRAP, permet déjà de vous faire une présentation du contenu de cette découverte et aussi de proposer quelques premières pistes d'interprétation de cet ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cet ensemble? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de restes métalliques, donc à l'origine 174 fragments ou objets complets, 173 en métal et un en céramique qui correspondent à 69 objets. Donc, dans cet ensemble d'objets de Roche-Bettencourt, il y a tout d'abord une très importante série d'outils que je vais vous présenter en détail. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on va voir que toute cette panoplie d'outils nous donne des indices sur les activités agricoles, économiques et artisanales de cette région de la Haute-Marne à la fin de l'époque romaine. Alors, parmi ces outils, on va déjà commencer par les outils agricoles. Donc, dans l'ensemble, il y a notamment deux très grandes faux en fer que vous voyez ici, qui étaient fragmentées au moment où elles ont été restaurées par le laboratoire d'analyse des métaux de Jarville. Mais il est difficile de dire si leur bris a été effectué au moment de l'enfouissement, donc à l'époque romaine, ou s'il s'agit tout simplement d'une conséquence de la manière dont les pots a été trouvé et où les objets ont peut-être été arrachés du sol un peu brutalement, ce qui a pu entraîner le fait qu'ils soient cassés.
Donc ces deux grandes faux, évidemment le manche, donc comme tous les outils ayant un manche en bois, vous allez voir, le manche en bois, s'il a été enfoui avec l'outil, il a évidemment disparu puisqu'il s'est décomposé dans le sol hein, en 2000 ans. Donc ces deux grandes faux, à l'époque romaine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles servent à couper du foin. Il ne s'agit pas d'outils destinés aux moissons, mais à la fenaison, c'est-à-dire se procurer du fourrage pour notamment nourrir des animaux d'élevage. Donc vous avez à droite ici une stèle funéraire du musée de Vesoul en Haute-Saône qui montre un personnage gallo-romain qui tient justement une de ces faux et on distingue même qu'il est en train de sans doute de l'aiguiser de la main droite. Vous voyez, il tient une sorte d'outil qui doit être une pierre à polir ou un polissoir. Une des deux faux de Roche-Bétaincourt, au moment de la découverte, avait clipsé, si on peut dire, sur sa lame, cette sorte de petit objet en fer qui servait peut-être à l'origine à fixer un étui de protection en matériaux périssables, peut-être en tissu ou en cuir, pour protéger peut-être le tranchant de la lame. Parmi cet ensemble d'outillages de roche, on a aussi toute une série d'outils qui sont liés au travail du sol ou à la manipulation des produits du sol, si on peut dire. Donc on a notamment deux dolabres, donc ici en haut à droite. Donc vous avez une vue de face et une vue de profil hein, à chaque fois. Donc ces dolabres, il s'agit d'outils assez caractéristiques de l'époque romaine. Vous voyez qu'ils associent un tranchant qui ressemble plutôt à celui d'une pioche et un autre qui ressemble plutôt à celui d'une hache. Donc on considère que ces outils servent à défricher et à préparer des terrains qui vont être mis en culture. On a par ailleurs une pioche à un fer ici. Vous avez aussi une binette ou une serfouette qui sert plutôt à des petits travaux de jardinage, on va dire, vraiment d'activité de maraîchage. Et enfin, ici, une fourche à deux dents qui peut servir à manipuler des bottes de foin ou de paille grâce à ces deux dents. Alors, dans ce dépôt, il y a aussi trois outils qui sont tout à fait exceptionnels. Il s'agit de forces. Donc les forces, il s'agit des ancêtres des ciseaux. Donc leur principe, c'est que vous avez, vous voyez, deux tiges actives qui servent quelque part de poignée. Alors une fois encore, vous voyez ici qu'elles sont incomplètes. Donc a priori, il y a tous les fragments qui ont été trouvés avec ceux que je vous montre ici, mais qui n'ont pas pu encore être remontés. Pour vous donner un aperçu complet de l'outil, mais il faut imaginer évidemment que ça a une organisation symétrique. Donc vous avez deux poignées ici, 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 qui sont terminées ici, vous voyez, par des anneaux ou par le pliage du métal. Et à l'autre extrémité, vous avez deux lames coupantes. Alors ici, malheureusement, vous voyez, il n'en a qu'une conservée, mais il faut imaginer que vous avez deux lames à chaque fois. Et donc, quand vous serrez les poignets ici, eh bien, en fait, cette partie-là fait ressort et vous pouvez couper ici avec la partie active de l'outil. Donc, à droite, vous avez la représentation d'un bloc, d'un monument funéraire gallo-romain du musée de Sens, où vous voyez un personnage qui tient donc cet outil et qui est en train de l'utiliser. Alors, ce qui est donc ce type d'outil, les forces, ça s'appelle, c'est bien connu pour l'époque romaine. Hein,
Ça peut être employé un peu pour tout ce qui nécessite de couper. Donc, vous avez des petites forces d'une dizaine de centimètres de long, on suppose qu'ils servent à tailler la barbe. Vous en avez d'autres qui font 20-30 centimètres de long et on suppose qu'elles servent plutôt à tondre les moutons. Et enfin, vous avez, comme à Roche-Bétaincourt, des forces de très grande dimension. Ici, elles font plus d'un mètre de long. Et il s'agit de découvertes extrêmement rares. Et on suppose, notamment sur la base de ce relief que vous avez à droite, que ici, ces forces de très grande dimension sont plutôt utilisées dans l'artisanat textile, peut-être pour faire des finitions sur des tissus. C'est-à-dire qu'elles ne servent pas ici à couper le tissu proprement dit, mais peut-être plutôt à effectuer une sorte de tonte, en fait. De la toile après son tissage si vous avez des fils qui dépassent. C'est d'ailleurs ce que semble suggérer cette représentation en dépit de, comment dire, sa légère imprécision puisqu'on voit bien que les deux lames coupantes en fait sont du même côté du tissu. Donc en tout cas, cette découverte de roche et enfin, ces trois forces de roche ici sont tout à fait exceptionnelles. Hein. De par leur dimension, notamment, dans tout l'Occident romain, on n'en connaît qu'une qui soit plus grande que celles qui ont été trouvées à Roche-Bétaincourt. Ici, manifestement, elles indiquent qu'il doit y avoir une activité textile relativement importante dans ce secteur de plateau de la Haute-Marne à l'époque romaine. Alors, dans le dépôt, vous avez ensuite toute une autre série d'outils qui semblent plutôt liés au travail du bois, du cuir, à la transformation des productions agricoles. Je vais vous en donner un panorama un peu détaillé sans rentrer dans le détail de tous les outils. Vous avez déjà des outils manifestement liés au travail du bois. Vous avez ici un ciseau avec un emmanchement ici à douille, donc il faut imaginer qu'il y avait une partie en bois par-dessus. Ici, vous avez une gouge, donc vous voyez ici la section de la partie active de l'outil, donc ici avec encore une fois un emmanchement à douille, donc il faut imaginer une partie en bois disparue ici. Vous avez une série de petits ciseaux ici, vous voyez, donc des pièces, hein, vous voyez, pas de très grande dimension, hein, la petite mère ici. Vous voyez, fait 10 cm de long. Vous avez ici une herminette, donc un outil qui sert plutôt à travailler le bois, notamment pour la mise en forme d'éléments de charpente ou de grosses pièces de bois. Des outils peut-être plutôt liés au travail du cuir ici. Donc là, peut-être un outil à percer le cuir. Ici, ce qu'on appelle un emporte-pièce. Donc, vous voyez, la partie active ici est formée d'un. Les deux feuilles de fer sont repliées de manière à faire une partie active circulaire. Et donc, vous tapez ici pour enlever une partie circulaire, par exemple, dans un morceau de cuir. Ici, vous avez un rivoire. Donc, c'est la partie de. Enfin, c'est un outil associé à un marteau qui permet de mettre des rivets, par exemple dans des choses en cuir. Vous avez ici un petit marteau. Vous avez aussi cette grande barre en fer ici qui fait dans les 80 cm de long, qui est probablement un axe de moulin à céréales. Il faut imaginer que cette partie ici traverse deux meules en pierre et qu'au moyen d'un système de fixation qui n'est pas conservé ici, eh bien ici, cette partie, en fait, tournait, était associée à la partie mobile de la meule, d'un moulin, et qui elle permettait d'entraîner cette meule pour produire de la farine. D'autres objets sont plus énigmatiques, comme vous voyez ici, cet objet en fer en forme de S avec un axe ici, vous voyez, enfin une partie
percé là. Pour le moment, je n'ai pas honnêtement de comparaison et cet objet demeure un peu énigmatique. Vous avez aussi quelques éléments de charronnerie, donc assez modestes en quantité et en qualité dans cet ensemble, puisque donc de la charronnerie, hein, c'est des éléments de char. Et ici, ce que l'on a, ça s'appelle des clavettes. Ce sont des petites tiges en fer qui servent à solidariser les moyeux de roue en fer, justement, sur l'axe de la roue proprement dite. Donc, vous voyez, hein, dans cet outillage, différents domaines qui apparaissent. Donc, la fenaison, plutôt l'élevage. Donc, en tout cas, c'est associé à l'élevage avec les faux, l'activité textile et le travail du bois et du cuir, mais aussi peut-être la transformation des céréales. Donc ici, je vous montre pour comparaison. À gauche, vous avez cet axe de moulin de roche Bettencourt, et ici, des comparaisons qui ont été trouvées dans l'Empire romain. Donc, bon, ils ne sont pas à la même échelle ici, ce qui explique qu'ils apparaissent plus petits à droite, mais globalement, on est toujours dans les mêmes types de dimensions, c'est-à-dire à peu près 80 cm de long. Alors, dans cet ensemble de roches Bettencourt, il y a aussi toute une série d'objets qui sont liés à la préparation et au service culinaire. Donc, ce que l'on va voir, c'est que le dépôt ne contient pas uniquement de l'outillage, mais aussi des éléments liés à la cuisine, à la vaisselle et au repas. Alors, parmi ces éléments, on a tout d'abord toute une série d'objets qui sont plutôt liés à la préparation et à la cuisson des aliments. On a notamment ce qu'on appelle deux crémaillères. Donc, vous voyez, il s'agit ici de ces éléments-là, au centre, en haut, et au centre, en bas, donc qui servent en fait à suspendre des chaudrons au-dessus d'un foyer. Donc, on en accroche une extrémité à une poutre au-dessus du foyer ou un crochet. Et puis, les crochets inférieurs servent à soutenir l'anse du récipient. Alors, évidemment, là, avec la corrosion, même s'il y a eu un nettoyage qui a été fait au laboratoire d'analyse des métaux, je ne peux pas vous les montrer dépliés comme ça en position active, si on peut dire, mais je vous montrerai des comparaisons dans une diapositive suivante. Donc on a ici probablement la partie supérieure justement de cette crémaillère qui est ici au centre en haut à droite, et vous voyez le crochet destiné à accrocher la crémaillère à une poutre ou un anneau métallique. On a par ailleurs ici une pelle à feu qui permet de déplacer des braises dans le foyer. Donc, c'est quelque chose d'assez connu pour l'époque romaine. On a ici deux couteaux qui sont, bon, je les ai mis ici parce que celui-ci, là, le plus petit, est manifestement lié à la préparation culinaire. Par contre, celui-ci, le plus grand, le plus à gauche, en bas, ressemble plus à un coutelas de chasse et peut nous donner un indice comme quoi les personnes qui ont enfoui ce dépôt, en fait, ont pu pratiquer la chasse. Alors, parmi ces éléments de préparation alimentaire, on en a d'autres qui sont cette fois-ci plus spécifiquement destinés à la cuisson des aliments. Alors, on a d'une part deux grands chaudrons en bronze que vous voyez ici. Donc, celui-ci à son anse qui était encore conservée. Alors, elle est en partie brisée ici à droite. Vous voyez donc ces anses en fait venaient se prendre, vous voyez, dans ces attaches d'anse en fer qui sont rivetées sur le bord de l'anse. Un autre chaudron ici, on distingue
Ici, la tache de lance qui est disparue et on distingue surtout, vous voyez, les très nombreuses réparations, vous voyez, avec ces traces de rivets. C'est une tôle très très fine, hein, ça fait moins d'un millimètre d'épaisseur. Et donc, le nombre de réparations que l'on observe sur ces deux récipients, on en voit ici aussi, vous voyez, les traces des rivets indiquent que manifestement, ils ont eu une durée de vie et d'usage relativement longue. Cet autre élément ici à gauche, en fer cette fois-ci, est en dépit de sa ressemblance, ce n'est pas une pelle, mais il s'agit d'une poêle en fer. Donc c'est un type d'instrument culinaire qui est relativement bien connu en Gaule à l'époque romaine. Donc des fois la partie de la poêle, la partie qui contient les aliments, peut être circulaire, mais on a aussi des cas de poêle dont le manche est, comme ici, rectangulaire. On voit bien hein, que vous avez un rebord qui fait environ 3-4 cm de haut, qui permet en fait de contenir une préparation alimentaire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire laquelle. Donc ces chaudrons que je viens de vous montrer, c'est des types vraiment très courants dans la Gaule romaine. Je vous montre ici quelques exemplaires de comparaison qui ont été trouvés en Allemagne dans un dépôt d'objets métalliques qui ressemble un peu à Roche-Bétancourt. Vous voyez, on reconnaît très bien hein, le profil de ces récipients bombés sur le fond avec des parois assez verticales. Et ici, vous voyez un léger, une panse légèrement ventrue, en fait, dans le tiers inférieur du récipient. Donc ici, une évocation justement de ces instruments culinaires trouvés dans la trouvaille de Neupotz en Allemagne, qui sont assez proches hein, de ce que l'on a à Roche-Bétancourt. Donc on reconnaît ici. Donc les chaudrons du dépôt de Neupotz, et ils sont ici dans ces photos, vous voyez, associés aux crémaillères qui sont ici en position d'usage et qui soutiennent, vous voyez, les récipients. À droite, autre évocation, vous avez ici toute une série de poêles en fer, donc, qui ici ne sont pas rectangulaires comme à Roche-Bétancourt, mais circulaires. Et puis vous voyez ici une forme un peu plus original dans cet ensemble. Toujours à Roche-Bétancourt, on a cette fois-ci une série de fragments qui sont plus spécifiquement liés au service du vin. Donc les Gallo-Romains, hein, comme vous le savez, consommaient du vin. Hein, c'est pas, c'était déjà largement attesté jusqu'à présent. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que les éléments liés au service du vin sont ici tous fragmentés à Roche-Bétancourt. Et manifestement, enfin, les récipients étaient déjà fragmentés au moment où ils étaient enfouis avec le reste du mobilier. Quand on examine les fragments, on voit bien que les cassures sont des cassures anciennes et qu'elles ne sont pas liées, entre guillemets, au mode de découverte de ces objets. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a tout d'abord un tout petit fragment ici d'une anse de cruche à vin à couvercle articulé. Je vous ai mis ici une comparaison donc d'un récipient similaire qui a été trouvé à Neupotz, donc ce dépôt-là que je vous compare depuis tout à l'heure à celui de Roche-Bétancourt. Donc, vous voyez, hein, ce que l'on a, nous, ici, c'est vraiment cette partie-là. Avec, ici, vous voyez, ce petit trou, en fait, ça correspond à l'axe de l'articulation du couvercle, vous voyez, que vous avez ici, sur l'exemplaire mieux conservé de Neupotz. Vous avez aussi, par ailleurs, le bord et un fragment d'une anse, d'un récipient qu'on appelle une situle. Donc il faut imaginer que, alors là en plus le bord, vous voyez, il est complètement écrasé, sans doute avant l'enfouissement. Il faut imaginer que ça appartient à une forme qui ressemble à une sorte de gros bol,
plus qu'un seau, un gros bol avec des anses, enfin une anse articulée sur le sommet et qui sert à contenir du vin. Autre élément ici, ce bassin en bronze qui doit lui aussi être lié au service du vin. On a enfin ici un petit récipient, donc une fiale, on appelle ça une patère en archéologie, c'est une sorte de petite assiette à fond bombé, très peu profonde, ça fait 2-3 cm de profondeur, vous voyez un diamètre d'une douzaine de centimètres, et donc qui semble plutôt cette fois-ci lié au service du vin, mais peut-être dans un contexte plutôt de rituel religieux. Je vous montrerai tout à l'heure un indice qui peut nous laisser envisager cette hypothèse. On a enfin, dans l'ensemble de roches, une série d'éléments de vaisselle qui sont cette fois-ci plutôt liés au service. Alors, au service des aliments, c'est-à-dire à la présentation sur la table. On a d'une part une assiette en céramique sigillée, donc c'est une céramique fine, entre guillemets, un peu de qualité, produite en Argonne, donc à la limite de la Champagne et de la Lorraine, à l'époque romaine. Et on a surtout les fragments de deux grands plats en alliage de plomb et d'étain, donc qui font environ 50 cm de diamètre et qui sont des pièces tout à fait exceptionnelles dans cet ensemble de roches Bettencourt. Alors, quand je vous les montre comme ça, ça ne paraît pas des objets particulièrement remarquables, mais ce qui est très intéressant, c'est que si l'on regarde en détail, et notamment ce grand plat ici en bas à gauche, on observe à travers les traces de corrosion donc du récipient qu'il était très richement décoré dans l'Antiquité. La partie centrale de ce grand plat est décorée d'une sorte de rosette ou de rosace. Vous voyez, on distingue encore le motif, vous voyez, qui est constitué d'une série de carrés emboîtés les uns dans les autres. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la flèche de ma souris, vous voyez, on distingue en fait ces motifs quadrangulaires, donc qui alternent carrés sur la pointe et sur la base et qui forment une sorte de motif en étoile, qui est lui-même entouré, vous voyez, par une sorte d'anneau dans lequel on distingue, vous voyez, des petits méandres, ces petites vagues ici, qui constituent une petite frise décorative autour du motif d'étoile. Et même les étoiles dans les pointes, on distingue que, vous voyez, vous avez des cercles et des motifs de remplissage. Alors, j'ai malheureusement pas un relevé détaillé de ce motif décoratif à vous montrer, mais je suis en train de le réaliser notamment pour qu'il soit présenté dans le cadre de l'exposition de la découverte qui va être réalisée à Roche et à Saint-Dizier. Sur ce même plat, on observe la présence de motifs décoratifs estampés, vous voyez, sur le bord, le rebord du plat, donc il y a un très léger rebord, hein, c'est une sorte de très grande assiette, très peu profonde, ça doit faire maximum 2 cm de profondeur. Et donc, vous voyez ces motifs géométriques sur tout le pourtour du plat. Alors, ce type de décoration, il est bien connu sur des vases similaires en alliage de plomb et d'étain qui ont été trouvés en Grande-Bretagne, notamment dans un trésor de vaisselle en alliage de plomb et d'étain qui a été trouvé en Grande-Bretagne à côté d'Oxford, à Appleford. Vous voyez ici à gauche le motif du grand plat de Roche-Bettencourt, à droite le motif du plat d'Appleford, vous voyez, qui est quelque chose de très similaire, vous voyez, avec cet emboîtement
de carrés qui produit un motif en forme d'étoile et avec un remplissage autour de guirlandes, vous voyez, de petits motifs en végétaux dans le centre de ce motif. Donc ce type de plat, il est bien connu dans le nord-ouest de l'Empire romain et il s'agit manifestement d'une production de Grande-Bretagne. La plupart des découvertes de ces plats en alliage de plomb et d'étain ont été faites en Grande-Bretagne et dans le nord de la France, mais vraiment extrémité septentrionale, en gros les Hauts-de-France actuels, et disons la localisation des différentes découvertes montre très bien que ça doit être originaire des îles britanniques. Donc les anglo-saxons, en fait, appellent ce matériau, l'alliage de plomb et d'étain, du pewter, PEWTER. Donc vous voyez ce nom ici bien pratique qui évite théoriquement d'avoir à dire pour eux tout le temps alliage de plomb et d'étain. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que l'on constate, c'est qu'il s'agit d'imitation, on va dire, d'un peu plus bon marché, de production en argent, de plats similaires, vous voyez, comme celui-ci, le plat de Mildenhall qui est au British Museum. Donc vous voyez, c'est le même style de récipient que les exemplaires que je viens de vous présenter, mais cette fois-ci en argent. Donc évidemment, ici, des récipients destinés à l'aristocratie, hein, des provinces de l'Empire romain. Donc nos plats, nous, en alliage de plomb et d'étain, manifestement, sont sans doute la propriété de gens relativement aisés, mais sans doute pas non plus des couches sociales les plus élevées de la société. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'ils cherchent à imiter les pratiques de table des puissants de leur époque. Vous voyez ici, alors je suis désolé, l'image n'est pas très bonne, ce plat en argent qui est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui a été trouvé en bordure de la mer Noire. Vous voyez que c'est exactement le même style de décoration que nos plats de Roche-Bettencourt. Manifestement, c'est la source d'inspiration, hein, ce type de grand plat d'argent. Donc on reconnaît le motif de carré emboîté au centre avec une frise autour et le rebord du plat qui est lui aussi totalement décoré comme à Roche-Bettencourt. Donc, pour conclure sur ces plats de roche, évidemment, ce n'est pas le luxe des plats d'argenterie, mais pour la Gaule, il s'agit de découvertes tout à fait exceptionnelles. Hein. On en connaît extrêmement peu en France de ces plats de plomb et d'étain, puisque la plupart des exemplaires ont été trouvés dans les îles britanniques. Et donc ces plats, à quoi ils servent? Ben, ils servent, vous voyez, lors du banquet, en fait, à présenter les aliments. Vous voyez, on reconnaît, hein, ces grands plats peu profonds ici, que dans l'Antiquité, on appelle des missoria, MI2SORIA, donc des plats destinés au service de l'alimentation. Ici, on a une mosaïque du 4e siècle de Méditerranée orientale, qui est tout à fait contemporaine de nos exemplaires de Roche-Bettencourt et qui nous donne un bon aperçu de la manière dont ils pouvaient être utilisés. Alors, dans le dépôt, enfin, on a toute une série d'objets qui sont un peu plus isolés, mais qui nous donnent un dernier complément sur la nature de cet ensemble. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a notamment une très belle petite statuette de divinité féminine qui tient ici, vous voyez, une patère, donc le même type de récipient que je vous ai montré tout à l'heure, donc une sorte d'assiette peu profonde qui est destinée en fait à faire ce qu'on appelle dans la religion romaine des libations. C'est-à-dire que lors du sacrifice sur l'autel, on peut verser un peu de vin pour l'offrir à la divinité que l'on honore. Cette déesse, puisqu'il s'agit
s'agit ici d'une déesse, devait tenir de sa main gauche ici une corne d'abondance qui est malheureusement absente du dépôt. Alors, vu les circonstances de découverte, c'est difficile de dire si la corne d'abondance était manquante au moment de l'enfouissement ou si c'est lors de la découverte qu'elle a été perdue. Malheureusement, on ne peut pas dire. Vous avez aussi ce tube, grand tube en bronze, hein, ici de près de 40 cm de long, qui est manifestement venu s'emboîter dans ce socle ici en bronze. Alors les deux pièces-là fonctionnaient manifestement ensemble. La question est de savoir si ça n'a pas pu servir de socle à la statuette. Encore une fois, l'absence d'observation archéologique détaillée lors de la découverte ne permet pas de trancher. En l'état, vu que c'est un tube, il faut bien imaginer que si vous mettez la statuette au sommet, elle va tomber au fond du tube, donc ça ne va pas trop dans le sens du socle. Par contre, ce qu'on peut envisager, c'est qu'à l'intérieur du tube, il y avait peut-être une âme en bois, et qu'à ce moment-là, on pouvait fixer la statuette au sommet de cet ensemble. Mais ici, même chose, il va falloir trouver peut-être des comparaisons pour pouvoir l'affirmer. Dans l'ensemble, vous avez aussi ces deux objets-là qui évoquent la présence d'un coffret, alors qui malheureusement... dont il ne reste quasiment plus rien, mais vous avez cette clé ici, vous voyez la poignée de la clé ici, la partie active donc qui rentre dans la serrure, et ici cette petite tôle de bronze qui est décorée d'un personnage d'une scène, on va dire, scène rurale, hein, tiens, un bâton de berger. C'est un motif qu'on rencontre fréquemment sur des petites plaques de tôle de bronze qui viennent orner des coffrets d'époque romaine du IVe siècle. Alors ici, même chose, est-ce que il nous manque les éléments de charnière, il nous manque les éléments de la serrure. Est-ce que ces éléments-là ont été enfouis séparément avec le reste ou est-ce qui nous manque une partie des objets, malheureusement, encore une fois, on ne peut pas trancher. Enfin, vous avez deux monnaies ici, donc avec le recto et le verso, de deux empereurs romains du IVe siècle, donc l'empereur Galère, qui est empereur entre 285 et 311, et ici, l'empereur Magnence qui a régné de 350 à 353. Donc ces deux monnaies trouvées avec les deux objets nous incitent à dater l'enfouissement de ce lot d'objets quelque part vers le milieu du IVe siècle de notre ère, donc vers 350-353. Donc vous voyez cet ensemble d'objets de Roche-Bettencourt. Hein, c'est un ensemble d'objets qui est relativement complexe, hein, qui associe de l'outillage agricole, de l'outillage artisanal, des objets liés à la présentation, à la préparation culinaire, mais aussi à la présentation culinaire, voire, vous avez vu, une petite statuette religieuse. Et il apparaît, en fait, que c'est un type de découverte qui n'est pas isolé dans l'est de la Gaule romaine, donc on va dire en gros du bassin parisien jusqu'au Rhin, mais que l'on a des comparaisons relativement proches, entre guillemets, dans la constitution de cet ensemble, dans des cachettes d'objets métalliques qui ont été trouvées notamment dans l'ouest de l'Allemagne, où elles ont été étudiées récemment par une archéologue allemande, dont vous avez ici la pochette de son livre à droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de son livre, mais vous voyez que vous avez ici toute une panoplie d'outils en fer et que ça évoque, donc ça c'est une cachette du même type que celle de Roche-Bettencourt, et ça évoque tout à fait le même type d'assemblage d'objets, donc qui associe des outils
dans une cachette d'objets métalliques. Alors ici, vous avez une carte qui montre les localisations de ces découvertes. Donc je vous la commande très rapidement. Hein. Donc Roche-Bettencourt est indiqué en rouge ici. Et vous voyez les points noirs correspondent à toutes les découvertes qui ont été effectuées dans l'est de la Gaule. Donc ici, on se trouve vers Épernay, dans la Marne. Là, vous avez le cours du Rhin. Donc l'Alsace se trouve là, la Suisse ici, et là, vous êtes dans le sud de l'Allemagne, et le sud-ouest de l'Allemagne est dans cette zone. Donc vous voyez que même si on est un peu en périphérie de la zone principale de ce type de découverte, ce type de découverte d'objets métalliques est, sans être fréquente, est quand même régulièrement attestée dans cette zone pour la période des 3e et 4e siècles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces autres cachettes d'objets métalliques, je vais vous en montrer quelques-unes pour vous donner des comparaisons, c'est qu'on en a trouvé cette fois-ci un certain nombre en contexte de fouilles et pas de découverte au détecteur de métaux. Et ces découvertes en contexte de fouilles archéologiques, eh souvent elles nous donnent quand même des informations sur la manière dont sont disposés les objets quand ils sont enfouis, et puis surtout bah, dans quel contexte ils sont enfouis. Est-ce qu'ils sont enfouis à l'écart des habitations, dans les habitations? Et on va voir que ces contextes de découverte de dépôts d'objets métalliques comme Roche-Bettencourt, ils sont très variés. Alors, on a des découvertes dans des agglomérations romaines, comme ici un dépôt que je vous montrerai tout à l'heure à Tarquimpol, donc on est en Moselle, on est à l'est de entre Metz et Strasbourg ici. Donc l'étoile indique le lieu de la découverte. On est à l'intérieur d'une petite fortification urbaine du 4e siècle. Vous avez des découvertes qui peuvent être effectuées à l'intérieur de villas, c'est-à-dire d'établissements agricoles. Ici, c'est un exemple de dépôt qui a été trouvé dans les années 1960 à Nevel, en Allemagne, on est à côté de Trèves. Donc la découverte a été faite ici, dans la galerie de façade de la résidence d'un établissement agricole, d'une villa, hein, d'un site un peu comme, on va dire, pour vous donner du contexte local, un peu comme le site des Crassés. Donc, vous voyez ici une photo des différents objets au moment de la découverte. Autre exemple ici, dans une grande villa à Bertrange, au Luxembourg. Vous voyez la résidence se trouve ici, au sud-ouest. Vous avez la cour agricole ici au nord, qui est bordée de bâtiments à vocation économique, ici en jaune. Et à côté de l'un d'eux, en fait, là où il y a l'étoile, on a trouvé, encore une fois, vous voyez, une cachette d'objets en fer. Alors, je vous montrerai un peu le détail tout à l'heure, mais vous voyez qu'ils sont manifestement assez soigneusement disposés, sans doute dans une fosse à côté du bâtiment. D'autres types de découvertes assez particuliers et spécifiques à la zone du Palatinat en Allemagne, donc c'est en gros au nord de l'Alsace. Ce sont des découvertes qui sont effectuées sur des sites de hauteur, au sommet de relief, qui sont fortifiés à la fin de l'époque romaine. Donc il y a plusieurs exemples ici, comme sur cette colline à Kremmbach. Une autre découverte, vous voyez ce type de topographie assez particulière. Une autre cachette de ce type a été trouvée ici à Trifels, vous voyez vraiment sur une sorte d'éperon qui a été occupé ensuite par un château au Moyen-Âge, ou ici encore cet autre exemple à Waldfischbach, mais je passe rapidement, c'est plutôt le contenu de ces ensembles que je vous montrerai. Autre exemple dans un contexte de fouille, cette fois-ci un peu plus particulier, lors d'une fouille de l'INRAP à La Croix-Saint-Ouen dans l'Oise. Donc on a des collègues qui ont trouvé ici, vous voyez, dans une sorte de grande dépression qui est indiquée en vert, peut-être une carrière d'extraction de sable de la fin de l'époque romaine.
qui est à l'intérieur d'un enclos délimité par un fossé, qu'on voit le tracé ici en vert, vous voyez que vous avez un dépôt d'objets métalliques. Encore une fois, vous voyez, hein, avec des effets de limite assez nets, qu'il est supposé qu'ils étaient dans un contenant en matériaux périssables qui a disparu, peut-être un coffre, et avec probablement, vous voyez, un aménagement fait en périphérie avec des fragments de tuiles romaines. Autre exemple, toujours dans une carrière de sable ou de matériaux de construction, ici à Glisy, dans la Somme. Le site a été antérieurement occupé par une ferme gauloise, mais il n'a rien à voir avec ce qui nous concerne ici. Près plusieurs siècles après, vous avez une petite carrière qui est installée ici et dans laquelle, à la fin de l'Antiquité, des individus ont caché, vous voyez, une série d'outils en fer, dont une hache et vous voyez ici un certain nombre de tarières que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, vous voyez l'intérêt de la découverte en contexte de fouilles, c'est qu'on étudie bien la disposition des objets et surtout on sait ben, dans quel environnement il se trouve, dans quel contexte. On est quand même beaucoup moins dans le brouillard que c'est le cas à Rochebétincourt. Exemple typique de découverte au détecteur à métaux, dépôt d'outils et de vaisselle métallique que vous voyez en photo, pardon, ici en haut à droite, à Soultz-Cernay dans le Doubs. Bon, ben, vous voyez là, on voit le trou dans le sol. Bon, ben, on voit les objets, ils sont réguliers, ils sont bien disposés, mais en fait, l'environnement archéologique immédiat du site est très mal connu. Vous avez ici une carte IGN qui vous montre un peu où c'est. Donc, c'est dans la haute vallée du Doubs, dans le Jura. On est à 600 mètres d'altitude. On est à proximité d'une grotte. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Enfin, on a des découvertes qui semblent manifestement situées à l'écart de toute habitation proche, comme ici, c'est un ensemble qui a été trouvé en Allemagne, en bordure d'un petit ruisseau, dans une forêt et dans un secteur qui a été amplement prospecté par des collègues allemands. Et il semble ici que la découverte soit à l'écart de toute habitation. Alors si, donc on a vu que les lieux de découverte peuvent être variés, mais ce qu'on a maintenant, c'est que dans ces comparaisons avec Rochebétincourt, la nature des assemblages, enfin, des types d'objets qui sont présents dans les découvertes peuvent être aussi assez variés. On a des cas, par exemple, comme un level, donc c'est l'ensemble que je vous ai montré tout à l'heure trouvé dans une villa, où vous avez essentiellement des éléments de charronnerie, des éléments en fer qui appartiennent à des chars ou des charrettes. Donc un level, par exemple, la plupart des pièces ici sont liées à des éléments de chars qui ont été démontés, en fait. Et donc, où manifestement, on a enfoui les parties métalliques d'un char ou d'une charrette. Alors, il y a un ou deux outils. Vous avez une truelle ici, vous avez une cruche métallique, mais c'est à peu près tout. Autre exemple, à Bertrange, ici. Alors, vous avez cette fois-ci des éléments qui appartiennent à des arrères. Donc, les arrères, c'est une sorte d'ancêtre de la charrue. Donc, il faut imaginer que cette grande partie en fer ici était fixée à l'origine au timon d'une charrue, enfin d'une arrière tirée par un bœuf ou deux bovins. Et donc que cette partie ici servait à fendre le sol en avant de l'arrière. Dans cet ensemble de Bertrand, on trouvait aussi dans une villa, vous avez des éléments de renfort de joue qui sert à tirer soit ben, une charrue, soit une charrette. Vous avez de très nombreux éléments de renfort de char en fer. Je ne vais pas vous faire le détail. Hein. Autre exemple de découverte, cette fois-ci à Trifels, donc c'est sur la colline que je vous ai montré tout à l'heure avec son château médiéval.
Cette fois-ci, la découverte, on retrouve des choses qui sont présentes à Roche-Bettencourt et qui étaient absentes dans les deux comparaisons que je viens de vous montrer. Donc, notamment, vous avez ici trois crémaillères. Donc, je vous rappelle ces éléments qui servent à soutenir un chaudron. Vous avez ici des raies d'arrière, donc c'est la partie active de ces sortes de charrues. Vous avez des renforts de moyeux de roue en fer, des haches, donc des outils plutôt liés au travail du bois. Autre exemple, pour vous donner un peu une idée de quoi ressemblent ces autres dépôts, donc celui de Waldfischbach en Allemagne, vous avez toute une série de renforts de roues de char, des haches, ici des coutres d'arrière, des forces. Cette fois-ci de petite dimension, hein, ce n'est pas du tout la taille de celle de Roche-Bettencourt, donc ici sans doute plutôt lié à la tonte des animaux, des peignes à carder, peut-être à carder la laine ou le lin, et ici hein, vous voyez un fragment de poêle métallique en fer qui est un peu de la forme de celle de Roche-Bettencourt. Autre exemple. Cette fois-ci à Kreimbach, vous voyez que vous avez encore d'autres catégories d'outils qui indiquent sans doute une autre activité des gens qui ont enfoui les objets. Vous avez une série d'enclumes, des marteaux de forgeron, des pinces de forgeron. Donc ici, manifestement, le travail du métal, mais vous avez quand même aussi ici, une faux, ou par exemple des outils plutôt liés au travail du bois, une scie ici, ou une tarrière. À la Croix-Saint-Ouen, la découverte que je vous ai montrée tout à l'heure dans une carrière antique, eh bien, vous avez cette fois-ci quasiment que des outils liés au travail du bois, entourés en rouge ici. Vous avez toute une série de tarrières, des bédanes pour travailler le bois, une gouge ici, une série de ciseaux de burin, une herminette, une partie de rabot et d'autres lames de rabot ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, la sélection des objets en fait oriente quand même vers une activité particulière, des fois plutôt le textile, d'autres fois plutôt le travail du bois. D'autres fois la forge. Bon, je passe sur celui de Glisy, dans l'autre carrière que je vous ai montrée tout à l'heure. Encore pas mal d'outils liés au travail du bois ici. Des tarrières ou une hache à gauche. Ce qui est beaucoup plus rare dans ces ensembles, c'est comme ici à Soultz-sur-Cernay, ce sont les outils liés plutôt à la moisson. Vous voyez, à Soultz-sur-Cernay, vous avez de la vaisselle, des chaudrons un peu qui ressemblent beaucoup à ceux de Roche-Bettencourt, hein. Des clochettes, ici, donc plutôt sans doute liées à de l'élevage, et vous avez toute une série de faucilles ou de volants qui sont des outils, ici, cette fois-ci, spécifiquement liés à la coupe des céréales lors des moissons. Enfin, on a des ensembles qui ressemblent pas mal à celui de Roche-Bettencourt, comme celui-ci à Tarquimpol, où on a à la fois l'association, vous voyez, de chaudrons, d'herminettes pour le travail du bois. Alors ici, avec des récipients plus nombreux qu'à Roche-Bettencourt, hein, sans doute liés ici au service du vin. Ici, sans doute une lampe à huile ou des tarrières pour le travail du bois. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans certains cas, les cachettes de comparaison sont des ensembles assez stéréotypés, c'est-à-dire qu'on y retrouve souvent les mêmes types d'outils. Vous voyez, entre cette découverte de Tarquimpol, où l'on a des chaudrons, des haches, des tarrières, des renforts de socs d'arrière, donc de sorte de charrue.
Vous voyez, on a les mêmes choses dans cette découverte qui a été faite près de 400 km plus au nord, dans les environs de Cologne, en Allemagne, où on retrouve les renforts de Sognaret, vous voyez, du même type qu'ici à Tarquimpol, les chênes, donc sans doute ici pour l'attelage de l'Arrère, comme ici. Les fragments d'un chaudron du même type ici qu'à Tarquimpol, etc., etc., les tarrières. Et ce qui est intéressant de surcroît dans cet ensemble, c'est qu'il était associé à un trésor de 3451 monnaies, dont la plus tardive est de 348 après Jésus-Christ. Donc on est quasiment en même temps que Roche-Bettencourt. Enfin, vous avez des dépôts qui contiennent essentiellement de la vaisselle, comme ici ce trésor d'Appleford en Grande-Bretagne, dont provient le vase, la comparaison pour le vase en plomb que je vous avais montré tout à l'heure. Vous voyez, vous avez toute une série de très grands plats en pewter, donc en alliage de plomb et d'étain, un pichet. Et ici, toute une série de bols dans ce même alliage. Mais on retrouve aussi des objets qui sont présents à Roche-Bettencourt, comme une crémaillère, une poêle en fer, ou ici un fragment de pelle à feu. Vous reconnaîtrez ici aussi, au passage, un fragment de faux. Bon, je passe rapidement sur ces diagrammes. Maintenant, on va se poser la question de savoir pourquoi on enfouit ces dépôts. Alors, après tout, qu'est-ce qui motive des populations en période ancienne à enfouir des objets métalliques dans le sol? Ça paraît a priori assez étrange. Alors, il y a toute une série d'interprétations qui ont été envisagées par les archéologues. Hein. Alors là, je ne fais que reprendre les grandes catégories d'hypothèses. Alors, l'interprétation la plus évidente, en tout cas la plus ancienne, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle de dépôts de peur. C'est-à-dire que vous avez un contexte politique troublé, une guerre civile, des barbares qui viennent de l'extérieur de l'Empire romain, qui viennent piller les provinces romaines, enfin ce type de contexte. Et à ce moment-là, les gens, ils dissimulent leurs objets de valeur, ici objets de valeur métallique, et ils les cachent dans le sol pour pouvoir les récupérer eh bien, quand le danger est passé. Alors, évidemment, si on les retrouve, ça veut dire que tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir récupérer, entre guillemets, l'équipement qu'il a enfoui. Alors évidemment, quand on est dans ce type d'hypothèse, on envisage généralement que les objets qui sont cachés dans le sol, eh bien, ça peut correspondre par exemple à l'équipement métallique d'un établissement agricole, d'une ferme, d'une habitation rurale, enfin, en fonction en fait de l'endroit où ça a été enterré. Alors ce qui va dans le sens, a priori, de ces interprétations, c'est que la plupart de ces cachettes, ces enfouissements d'ensemble d'objets métalliques sont datables de la fin de l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, donc les 3e, 5e siècles de notre ère, et que l'on sait qu'il s'agit d'une période où il y a de fréquents troubles politiques en Gaule du Nord-Est, donc ça colle bien, entre guillemets, avec la localisation des découvertes. Notamment parce que ce que l'on voit, c'est que ces découvertes se concentrent à proximité de la frontière de l'Empire romain, qui est ici, sur le Danube, dans le sud-ouest de l'Allemagne, puis le long du Rhin ici. Et donc, on considère que ces objets ont peut-être été cachés quand il y a eu des invasions de Germains qui venaient de cette zone, et que donc les gens de ces provinces plus exposées ont évidemment plus caché de choses lors de périodes difficiles. Le problème, c'est qu'en réalité,
Ce qui est un peu faible dans cette hypothèse, c'est que vous voyez ici sur cette carte, on ne sait pas vraiment s'il n'y a pas des découvertes similaires qui sont faites en dehors de l'Empire romain, ici en Allemagne, et qu'à ce moment-là, l'enfouissement serait peut-être lié à des pratiques particulières propres à cette région de l'Europe. Alors, on a fréquemment comparé ces enfouissements d'objets à ce qu'on appelle des trésors monétaires, donc ces cachettes de monnaie romaine, comme ici l'illustre ce trésor monétaire de Saint-Germain-les-Arpajons trouvé dans l'Essonne, et donc qui est contemporain des enfouissements d'objets métalliques. Alors, autre hypothèse qui est moins fréquemment retenue par les archéologues qui travaillent sur l'époque romaine, c'est l'hypothèse de cachettes qui seraient des ensembles votifs religieux ou symboliques. Les âges des métaux, pour l'âge du bronze, pour l'âge du fer, on connaît aussi des cachettes d'objets métalliques trouvés des enfouissements dans le sol. Et en fait, pour ces périodes-là, les hypothèses des archéologues qui travaillent sur ces périodes sont très différentes de l'époque romaine. Eux, ils considèrent que ces ensembles d'outils de vaisselle, comme ici, vous voyez, vous avez un dépôt d'objets métalliques en bronze, donc de l'âge du bronze, là on est vers 1300-1500 avant Jésus-Christ. Ici, là, les archéologues, ils considèrent que c'est des offrandes pour des divinités et que les objets, en fait, sont réunis et enfouis dans le sol pour être offerts, en quelque sorte, à une divinité. Alors, vous voyez, on n'est plus du tout dans l'hypothèse de la cachette, hein, mais on est vraiment plutôt dans une hypothèse religieuse. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que si on revient dans notre période de la fin de l'Antiquité, des cachettes d'objets, enfin, ou des dépôts d'objets métalliques, d'outillage, on en connaît dans une grande partie de l'Europe, hein, jusque, vous voyez ici en Roumanie, donc on est en dehors de l'Empire romain, vous avez cette fosse ici creusée dans le sol, vous voyez en cours de fouille, avec toute une série d'objets métalliques. Et là, les archéologues, eux, pour cette zone-là, en dehors de l'Empire romain, quand ils ont publié cette découverte, le titre qu'ils ont donné à leur article, que je vais vous traduire, c'est des rituels oubliés connectés à l'agriculture à la période des grandes migrations, donc en gros au 5e siècle de notre ère. Donc vous voyez, même chose, on n'est pas du tout dans l'hypothèse cachette de peur, mais d'un enfouissement peut-être rituel lié à des pratiques religieuses autour de l'agriculture. Ainsi, c'est intéressant. Si on prend cette découverte ici qui a été faite à Russinant, on est près de Perpignan dans le sud de la France, on est à la même époque que cette découverte de Roumanie. Vous voyez que le contexte, c'est le même. On est à l'intérieur d'une grande fosse qu'on voit en plan ici sur ce dessin, avec toute une série d'outils agricoles. On reconnaît ici une faucille notamment. Et bien là, l'hypothèse religieuse n'est pas du tout, enfin, ou rituelle n'est pas du tout envisagée par l'archéologue français qui a publié cette découverte. Enfin, elle n'est notamment pas du tout retenue par notre collègue allemande qui a étudié ces découvertes, ces trésors du sud-ouest de l'Allemagne. Alors, pour creuser un peu cette hypothèse d'enfouissement religieux, en fait, on peut regarder un peu ce qui a été trouvé comme dépôts ou trésors dans des temples en Gaule romaine, pour voir, ben, est-ce que, par exemple, dans des temples gallo-romains, on a trouvé de l'outillage et de la vaisselle métallique, un peu comme ce qu'il y a à Roche-Bettencourt ou tout ce que je vous ai montré précédemment. A priori, la
recherche n'est pas très concluante. Alors, les trésors de lieux de culte, de temples gallo-romains, on n'en connaît pas énormément, hein. Je vous en ai mis quelques-uns ici sur cette diapositive. Le plus spectaculaire, sans doute, étant celui de Saint-Aubin-des-Chaumes, à droite, malheureusement trouvé ici aussi par un pilleur. Donc, il y a une bonne partie du mobilier qui a disparu. Vous avez beaucoup de statuettes, vous voyez, et vous avez notamment une sélection, vous voyez, de toutes les statuettes qui étaient dans la cachette. On a un croquis sommaire fait par le découvreur, mais vous n'avez absolument aucun élément d'outil ou de vaisselle. Même chose ici à Champoulet, dans le Loiret. Vous avez des inscriptions sur les bases des statues qui montrent très clairement que c'est un trésor de temple. Il n'y a aucun outil et la vaisselle, même s'il y en a, c'est plutôt vraiment des vases uniquement destinés au service des liquides. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre de l'hypothèse symbolique, entre guillemets, c'est des comparaisons qu'on peut faire avec des découvertes faites dans des tombes romaines de la région de Cologne. Donc, Cologne en Allemagne, donc une grande ville romaine de la vallée du Rhin. Vous avez des pratiques funéraires assez particulières où dans les tombes, en fait, ils mettent des outils. Donc, vous avez ici l'exemple des outils qui ont été mis dans une tombe romaine de Cologne. On est à la même époque, hein, qu'à Roche-Bétaincourt, au IVe siècle. Et vous voyez, vous avez toute une série d'outils. On reconnaît ici sans doute des herminettes, une faux, ici, des forces, ici, une arrière, une charrue, une fourche, une hache, une pelle. Un élément de char ici, une roue de char, vous voyez ici une armature de char. Mais en fait, la grosse différence ici, c'est qu'il s'agit d'outils miniatures. Vous voyez, vous avez une échelle. Ici, vous voyez, c'est des objets qui font entre 2 et 3 cm de long et qui sont disposés en fait avec d'autres objets comme dépôt, enfin, comme offrande pour le défunt ou la défunte dans la sépulture. Donc, vous avez ici, par exemple, le mobilier d'une sépulture de Cologne, où vous voyez que vous avez bah, des vases en céramique, des vases en verre, des bracelets, des monnaies, et vous voyez ici tous ces outils miniatures. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, là, on est dans un contexte très différent en fait de ces cachettes d'objets métalliques, mais ce qu'on observe quand même très nettement, c'est que la sélection des objets est quand même assez proche en fait de ce que l'on rencontre dans nos cachettes d'objets qui sont entre guillemets taille réelle, alors qu'ici, à l'évidence, on a mis ces outils pour symboliser quelque chose. Donc c'est un assemblage, vous voyez, qui est. Alors est-ce qu'il est religieux? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il reflète quelque chose de l'activité ou de la fortune ou de la source de la richesse de la personne décédée? On ne peut pas vraiment répondre, mais en tout cas, très clairement, c'est une sélection qui est manifestement symbolique. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces cachettes d'objets comme à Roche-Bétaincourt ne sont pas des sélections symboliques d'objets qui sont enfouis dans le sol, dans le cadre effectivement d'un rituel religieux qui nous échappe, faute bah, de textes antiques qui nous le décrivent. Alors, ce qui est intéressant, c'est notamment, je terminerai sans doute là-dessus, c'est une découverte qui a été faite au début du XXe siècle à Alésia, en Côte d'Or, Alès-Saint-Rême, dans le monument qu'on appelle le monument du Cuétis. Donc, vous avez le plan en haut de cette diapositive. Donc, le plan montre globalement une grande cour au centre avec une galerie autour et toute une série de pièces de service qui se distribuent autour de l'édifice.
Et donc, ici, en bas à droite, là, il y a cette étoile rouge, dans une grande cave, on a trouvé, notamment au 19e siècle, une faux en fer qui a été très publiée seulement très récemment, en 2016, en fait, par des collègues, notamment le conservateur du musée d'Alésia. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monument du quiétiste, on pense, avec quand même de bons arguments, qu'il s'agit du siège de la corporation des forgerons d'Alésia. Dans l'Antiquité, les artisans, ils ont des corporations, comme il y en avait dans l'Ancien Régime, avant la Révolution française. Et donc, dans cette cave ici, on a trouvé cette faux, mais on a aussi retrouvé toute une série d'outils, dont des forces, des clochettes, des dolabres, des outils pour le travail du bois, une pelle à feu, ici un grill, un renfort de seau en fer, une hache, et évidemment la faux. Donc vous voyez ici encore une fois un assemblage a priori très proche de celui de Roche-Bettencourt. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé avec cette cruche en bronze qui porte une inscription latine qui indique que le vase est consacré à Deo Uquetis, donc au dieu Uquetis, et à Bergusia, la divinité féminine qui l'accompagne. Et donc, Rémus, fils de Primus, a donné ce vase dans le cadre d'un vœu religieux. Donc, cette découverte tout à fait particulière et significative nous conduit à envisager qu'il ne faut peut-être pas écarter l'hypothèse d'un enfouissement religieux ou symbolique. Donc pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà été assez long et complet, évidemment, à Roche-Bettencourt, il nous manque quelque chose qui est très important, c'est le contexte de la découverte. Alors malheureusement, ça sera sans doute difficile d'obtenir plus dans les années qui viennent au niveau du contexte. Mais par contre, l'étude d'ensemble des objets nous montre que ce que l'on trouve dans le dépôt de Roche-Bettencourt, eh bien, on le retrouve dans d'autres ensembles d'objets métalliques cachés similaires, donc des assemblages qui sont stéréotypés. Et enfin, qu'il faut sans doute distinguer les causes de la sélection des objets qui pourraient être symboliques éventuellement, des causes de l'enfouissement ou de la non-récupération, qui cette fois-ci pourrait peut-être être lié au contexte politique troublé. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, même si c'était un peu sans doute particulier de parler devant mon ordinateur. J'espère avoir été clair. Donc, vous aurez, comme je vous ai dit, l'occasion, quand la situation sanitaire sera meilleur de voir ces objets dans le cadre de deux présentations temporaires à Roche-Bettencourt et à Saint-Dizier. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention encore. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis, portez-vous bien jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Bonne soirée.